Vendre vos formations et récolter le fruit de votre travail. Il a fallu générer du contenu vidéo, écrit, il a fallu aller chercher du trafic pour alimenter votre liste d'inscrits et il a fallu le fidéliser. Vous avez créé une bonne formation et maintenant vous arrivez à la dernière étape qui est celle de la page de vente. Je sais que vous ressentez probablement de la confusion, des hésitations. C'est un peu comme un bachelier lorsqu'il passe son oral. Une année de révision va dépendre de quelques dizaines de minutes en face d'un examinateur et on ne veut pas tout gâcher. Vous seriez tout simplement désespéré d'avoir travaillé autant pour rater vos ventes. C'est quelque chose que je connais bien. À mes débuts, il y a plus de 10 ans, je ressentais cette pression de la page de vente. Je cherchais des modèles qui me permettent d'exposer mes idées et de convaincre mon audience d'acheter mes produits. Je recopiais ce que je trouvais sur Internet à l'époque, c'est-à-dire des pages de vente faites par des webmarketeurs français qui eux-mêmes recopiaient ce qu'ils trouvaient sur l'Internet anglophone, le plus souvent des pages de vente très agressives, comme il pouvait y en avoir au tout début du blogging. Je faisais des ventes, mais les résultats n'étaient pas vraiment satisfaisants. Jusqu'à ce que je prenne le problème à bras-le-corps et que je comprenne quelque chose de fondamental. Depuis que j'ai appliqué ce que j'ai compris ce jour-là, mes résultats ont été profondément modifiés. On entend souvent que la vente est une histoire d'émotion et pas de raison, mais je ne suis pas vraiment d'accord avec cette affirmation. Je pense que les gens utilisent autant leurs émotions que leur raison lorsqu'ils achètent quelque chose. Lorsque l'on comprend cela, on peut jouer sur les deux leviers et atteindre des résultats qui sont tout à fait stupéfiants. Si vous utilisez l'émotion de façon intelligente, vous arrivez à donner envie aux gens d'acheter votre produit. Mais il faut aussi utiliser le levier de la raison, parce que les gens n'achèteront jamais quoi que ce soit s'ils ne sont pas convaincus que cela peut résoudre leur problème. Cela semble difficile à faire, pourtant je vais vous donner une méthodologie qui est vraiment facile pour atteindre ce résultat. Cette technique consiste tout simplement à faire la chasse aux mots interdits dans les pages de vente, les mots qui vont ruiner vos efforts. Un exemple de la vie courante va vous permettre de comprendre de quoi il s'agit. Imaginez que vous avez rencontré quelqu'un, que le courant passe bien, vous sympathisez, vous sentez qu'il se passe quelque chose et vous allez dîner ensemble au restaurant. Et vous vous rendez compte lors de ce repas que la personne avec qui vous êtes parle mal au serveur. Vous vous rendez compte également que la personne boit des quantités d'alcool qui sont anormalement élevées. Et bien ceci va générer un drapeau rouge et il y a de fortes chances que vous n'alliez pas plus loin. Pourtant, à première vue, votre rencard avait tout pour plaire. Mais ces drapeaux rouges ont tué la suite des événements. Eh bien, il existe des drapeaux rouges qui agissent de la même façon dans les pages de vente. Il faut absolument les éviter. Je vais donc vous les partager maintenant. Ce sont des tueurs d'émotions, ce sont des tueurs de raison. Et si vous arrivez à les repérer et à les éliminer de vos pages de vente, vous verrez que les résultats vont être beaucoup plus intéressants. Parce que disons-le tout de suite, si vous avez du trafic, si vous avez des inscrits, si vous avez réussi à fidéliser une audience, si vous avez réfléchi au problème de cette audience et que votre produit est bon, il n'y a pas de raison pour que vous n'arriviez pas à le vendre si vous n'éliminez pas simplement les drapeaux rouges de votre page de vente. Le premier piège à éviter, le premier drapeau rouge, est le mot mais. Pourquoi? Eh bien, ce mot génère inévitablement de l'argumentatif et de la défensive. Imaginez que vous vendiez une formation sur la pêche à la ligne. C'est un marché énorme. Il y a des centaines de milliers de personnes qui pratiquent cette activité rien qu'en France. Dans votre page de vente, vous expliquez les résultats que l'on peut atteindre avec votre formation, mais seulement si l'on possède une canne à pêche en carbone. Vous voyez le problème. Immédiatement, vous sortez du scope de vos clients potentiels tous les gens qui ne possèdent pas ce genre d'équipement et qui n'ont pas envie de dépenser plusieurs centaines d'euros dans une canne à pêche en carbone. Or, si votre formation était marketée pour un public loisir, eh bien, il y a peu de chances qu'il sorte autant d'argent. C'est également le cas si vous aviez un business sur la séduction, qui est une grosse niche porteuse sur Internet, que vous fassiez une formation sur l'art de la conversation, mais que vous expliquiez que cela fonctionne mieux à condition d'avoir un portefeuille bien garni. On se rend compte immédiatement du problème que cela pourrait générer pour vos ventes. C'est donc à vous de concevoir un produit qui soit différent, par exemple comment devenir un meilleur pêcheur à la ligne avec votre matériel actuel, ou une formation sur la drague qui explique l'art de la conversation qui permet de séduire sans se ruiner. Je sais que ces exemples peuvent paraître évidents, mais je suis certain qu'il y a quantité d'infopreneurs qui font encore ces erreurs sur leur page de vente. Nous allons tout de suite passer au deuxième mot, drapeau rouge. Il s'agit de tout ce qui va tourner autour de croyez-moi ou alors honnêtement.
Ne vous méprenez pas, c'est très important d'être transparent sur les résultats que l'on peut atteindre en achetant votre formation. Plus vous êtes précis et clair sur ce point-là, et plus vous activez les leviers de la raison parmi votre trafic. Alors ne ruinez pas tout avec ce genre de phrase. Par exemple, honnêtement, faites-moi confiance, cette formation est la meilleure du marché. Prenons l'exemple d'un blogueur ou d'un youtubeur qui soit dans l'immobilier et qui vend une formation pour investir dans les parkings. Pourquoi est-ce que je devrais acheter votre formation? Si vous commencez à me dire qu'il faut que je vous fasse confiance, en réalité vous êtes dans la supplication. Si vous me dites qu'il faut que je vous fasse confiance sur ce point ou que vous êtes honnête sur cette phrase, cela présuppose, cela sous-entend que vous n'étiez pas totalement honnête sur le reste de vos arguments. Au lieu de demander à ce qu'on vous croit, vous devriez plutôt apporter des éléments objectifs qui vont convaincre par eux-mêmes. J'explique. Vous pourriez dire que votre formation dure 8 heures et qu'elle montre 25 techniques de négociation qui permettent de faire baisser le prix en moyenne de 15 à 20%. Vous pourriez expliquer qu'investir dans un parking est beaucoup plus intéressant que dans un appartement puisque les prix étant moins élevés, cela est ouvert à tous les investisseurs. Vous pourriez également expliquer que le fait d'acheter un parking vous permet d'être débarrassé de toutes les contraintes d'entretien d'un appartement. Vous pourriez également expliquer que cette formation donne accès à des lives que vous allez animer avec des petits groupes de clients dans lesquels vous pourrez répondre à toutes leurs questions et dans lesquels vous allez les guider, les valider sur le choix des parkings et les calculs de rentabilité du montage. Avec ces éléments, vous êtes en train de montrer des faits qui prouvent que votre formation est excellente. Et donc, vous n'avez plus besoin d'utiliser la grosse ficelle du « honnêtement, faites-moi confiance, cette formation est la meilleure ». Mais il faut vraiment être quelqu'un d'installé qui a énormément de crédibilité. Et si vous débutez sur Internet, ce n'est pas forcément le cas. Plus un vendeur va vous demander de lui faire confiance et moins vous allez lui faire confiance. La clé est donc d'amener des éléments objectifs. Et voici pour finir le mot interdit numéro 3. Il s'agit du mot « difficile ». Alors attention, il faut être nuancé. D'un côté, je pense que surjouer la carte de la facilité est une mauvaise idée. En effet, si tout au long de votre page de vente, vous expliquez que le résultat est facile à atteindre, alors pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'acheter votre formation? Cela n'a pas de sens. Je pourrais sans doute y arriver par mes propres moyens si c'est si facile. Je prends un exemple. Est-ce que monter un business en ligne est facile? S'il s'agit simplement de créer un blog ou de créer une chaîne YouTube, n'importe qui peut le faire. Mais réussir à en vivre dans la durée, payer votre maison avec cette activité, demande des compétences et ces compétences ne s'acquièrent pas d'un claquement de doigts. Et cela demande du travail, c'est la réalité. Je pense que la stratégie la plus intelligente, c'est de présenter la quantité de travail qui est demandée. Cela vous rend plus crédible. Plus personne ne croit que l'on peut faire fortune sur Internet en un claquement de doigts. A contrario, si vous mettez trop en avant la difficulté, vous risquez de décourager les gens. Personne n'aime vraiment les efforts. Par exemple, avoir un corps d'athlète demande énormément de rigueur sur l'entraînement et sur l'alimentation. Et je serais curieux de savoir, parmi les dizaines de milliers de personnes qui s'inscrivent à la salle de sport, combien arrivent réellement à avoir le résultat dont ils rêvent. Mettre en avant trop de difficultés tue la vente, mettre en avant trop de facilités n'est pas bon non plus. Le meilleur chemin à prendre, selon moi, pour avoir de la crédibilité, mais quand même réussir à conclure la vente, c'est d'expliquer aux gens que vous êtes là. Que l'intérêt de votre formation, c'est de fournir un raccourci. Que vous connaissez un chemin qui est clair. Que vos méthodologies sont directes et permettent d'obtenir le résultat. Vous expliquez donc qu'il y a du travail, mais qu'il est facilité par votre intervention. Pour reprendre l'exemple de la musculation, vous pourriez créer une formation sur comment avoir de beaux abdos. L'idée, ça serait d'expliquer que vous avez sélectionné les exercices qui fonctionnent vraiment et des menus adaptés. Et que cette stratégie permet d'obtenir les résultats qui sont les plus rapides et en tout cas que vos efforts seront rentables. Vous ne cachez pas qu'il y a certaines difficultés, mais vous expliquez justement que l'intérêt de votre formation, c'est de diminuer cette difficulté à un niveau qui est acceptable même pour le pratiquant moyen. On l'a vu, il existe des drapeaux rouges qui peuvent ruiner tous vos efforts et ce serait vraiment dommage que dans la dernière ligne droite, votre taux de conversion s'effondre, que vous ne fassiez pas assez de ventes parce que vous n'avez pas été assez vigilant sur ces drapeaux rouges dans les pages de vente. Il suffit que vous repreniez votre page de vente, que vous la relisiez avec attention, que vous éliminiez les drapeaux rouges et vous verrez comme votre page de vente sera immédiatement plus convaincante. Est-ce que vous savez que j'ai écrit un petit guide sur le copywriting? Il traite d'un sujet qui est important pour les blogueurs, les youtubeurs, les podcasteurs, qui est le titre.
Un bon titre multiplie par 3 ou par 4 le taux de clic sur un article. Et on peut écrire de bons titres sans tomber dans le piège du putaclic. C'est ce que vous allez découvrir dans ce guide copywriting que je vous offre si vous vous inscrivez à la newsletter Traffic Mania. En plus de ça, en étant inscrit à cette newsletter, vous recevez des astuces exclusives que je ne partage qu'avec mes abonnés. Pour vous inscrire, le lien est juste en dessous dans la description. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne et à bientôt sur Traffic Mania. Salut!